Allô? Non, quand vous voyez le panneau là, c'est écrit Garba Choco, non? Vous prenez le couloir. Je suis assis là, je suis derrière là. À tout à l'heure. Mon petit, demain, piment vient de devant mes piments. Oui, vas-y, vas-y, faut mettre piment. Et puis, vieux père. Ouais. Pardon, donne-moi ton wifi là. Wifi là, non? Oui, oui. Tu mets mon nom? Faut mettre. Voilà. Mmh. Parce qu'il y a des gens là, quand eux ils sont là, c'est pour prendre, ils payent rien même, ils veulent encore ça, cadeau. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, c'est propre, hein, ça, c'est rapide comme ça. Salut frère. Bonjour. Ah, de la presse. Mon petit. Hey. Tu es arrivé déjà? Ouais, je suis là. Depuis. Là, tu m'as bien indiqué le coin. Tu sais, avec la pluie là, ouais. Ça a failli m'empêcher, mais je suis encore là. Bébé. Ça va? Oui. Tu c'est grave. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, okay. C'est bon. Moi, c'est les affaires. Il n'y a pas de souci. C'est pour avoir ton nom en même temps pour faire le billet d'avion pour toi. Tu sais, tout est déjà calé là-bas, les affiches, c'est OK. La population est éveillée là-bas. C'est vous qu'on attend là-bas pour le show. Actuellement, les tickets s'arrachent comme des pains. En fait, je n'ai pas bien compris. Parce que là, on n'a même pas encore parlé de contrat. Non, billets d'avion. Mon petit, tu sais, laisse ça d'abord côté contrat. Va à l'essentiel. Mm-hmm. Tu sais, là-bas, tu peux dormir chez l'ambassadeur comme chez moi. Mm-hmm. Mais je te conseille de dormir chez l'ambassadeur parce qu'il a tout ce qu'il faut pour maintenir un homme. Il y a des filles minces, des filles grosses. Mm-hmm. Et là-bas, je pense que ça pourra t'aider aussi à te reposer avant le spectacle. Donc, je te donne mon nom à l'état civil. Justement, c'est ça. Pour le billet d'avion. Oh, tu as tout dit. Et puis comme ça, tu vas me prendre pour partir. Oh mon petit, tu vois, même ces artistes de renom que tu vois de gauche à droite, je suis le concepteur de ces artistes là. Bon, Vépère, oui. Sincèrement dit, je suis désolé, mais moi je peux pas bouger sans contrat. Si je n'ai pas un contrat, je bouge pas. Mon petit, oui? Cette histoire de contrat là, tu sais, faut laisser. Les bonnes choses, c'est devant. Je sais, mais oui. C'est ce que je dis. Même si tu as déjà mis mon nom sur ton affiche là-bas, toi-même, tu vas jouer à ma place parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je fonctionne pas comme ça. Mon petit. Oui. Tu veux me faire quoi comme ça? Viens, père. Envoie-moi un ticket là. Regarde, attends. Les affiches là. On a déjà mis partout là-bas. Hein. Oui. C'est toi qu'on attend. Non, mais tu m'as pas consulté avant de mettre mon nom sur l'affiche. Mon petit, il t'a fait quoi? Pourquoi tu veux me créer des problèmes? Pourquoi? Vraiment. C'est comme ça vous êtes. Chef, je pense que tu t'es trompé d'artiste. Il faut appeler les autres là, ils vont partir. Bon. Toi-même, on ne te connaît même pas quelque part. On veut t'aider, te faire sortir d'un trou. Tu fais le malin. Mais tu ne me connais pas. Tu vas apprendre à me connaître. Tu vas rester un artiste local. Tu ne vas jamais avancer. Tu vas me connaître. Tu sens que lui-même n'est même pas ressorti des trous. Viens, père, envoie-moi moi. Tu que j'ai mangé. Moi, j'ai pris pour toi. Le monsieur est venu te chercher. Il dit non, vous êtes parti en Europe. Pour jouer, pour aller tenter ta chance. On ne sait jamais. Viens, père. Mm-hmm. Tu sais, je te dis une chose. Le métier de l'artiste là, le showbiz, il faut savoir réfléchir. Ces gens de personnes là, ils sont pleins comme ça. C'est un promoteur. Oui, il s'est fait passer pour promoteur. Mais quelqu'un qui est incapable de te produire un contrat, c'est que ce n'est pas un bon promoteur. Ah. Si ça se trouve, lui-même il n'a pas de structure. Peut-être que lui-même là, il a besoin de toi juste pour couvrir certains problèmes. Il va te prendre, il va arriver à l'aéroport, il t'abandonne là-bas et puis tu es seul. Tu es livré à toi-même. Hey. Oui, c'est comme ça. Mon frère, tu as raison. Comment ça? Notre artiste commun là, Gedeao. Oui. Si tu le vois aujourd'hui, non, tu as pas pitié de lui. Hein? Il y a un promoteur qui l'a appris pour partir quelque part. Uh-huh. Il lui a dit, donne-moi mon avance. Ok, Gedeao avait déjà fait 2 jours dans la chambre d'hôtel. Le uh-huh. Promoteur a fui l'argent. Hein? L'un des spectacles là. Je te dis, ils ont bloqué Gedeao. Oh. Les 30 chambres de l'hôtel là. Uh-huh. Gedeao a lavé les draps pendant 3 mois. Uh-huh. Il a lavé à 7 chaque matin avec les verres, les cuillères. Alors je vous parle, regardez, ouais, comme ça on dirait le lépreux. Mais c'est normal, s'il a lavé habillé comme ça, c'est comme ça il va rester. Il faut signer les papiers. Même pour faire mon garba chocolat, j'ai signé des contrats. Ah, tu as signé le contrat avec la vendeuse à quelqu'un. Bébé, c'est pas long, ça serait mon coup, hein. Voilà. Ah, bébé. Oui. C'est quel haut ça? Non, c'est vrai, vrai haut. Non, c'est bon, il m'a payé l'eau. C'est bon. Il y a un chocolat. Tiens. Mais il ne boit pas les. Quand il veut donner à Chris là aussi, il va demander à signer le contrat. Toi, tu es devenu artiste. On sait jamais.